Shalom. La fin de cette vidéo concernant la séparation. Regardez, il y a des personnes avec qui tu es aujourd'hui, ce sont eux qui ont bloqué ta réussite, tes projets. Parce que lorsque vous avez un projet, puis au moment dont vous avez parlé à l'autre, et ça a tombé dans son oreille, et ça qui a créé que, et ça qui a fait que les amis que tu vois, tu n'as pas pu réussir. Est-ce que tu peux apprendre à garder des secrets de ce que tu fais? Est-ce que tu peux apprendre à garder des secrets parfois de certaines choses? Je ne te dis pas de garder des secrets par rapport à la maladie, par rapport au malaise que tu sens en toi. Tu es malade, tu es si. Je ne t'ai pas dit de garder des secrets pour ça. Je t'ai dit de garder des secrets par rapport à certaines vies privées en toi. Sépare-toi de certains amis. Un ami, quand tu as trouvé de l'argent, il t'invite toujours dans les boîtes de nuit. Il t'invite à coucher avec les femmes. Il t'invite à faire la vie. Il n'est pas un vrai ami. Parce que tu vas réfléchir combien de fois lui t'invitait pour lui. Un vrai ami, c'est quelqu'un, quand tu as l'argent, il est soucieux pour toi pour que tu ne dépenses pas ces sous-là pour rien. Il te dira, va aller créer telle entreprise, va le faire ci, va le faire ça, va le faire ci, va le faire ça. C'est ce qu'il te dira. Mais pas des wa, pas des bra 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 bra. Est-ce que tu me suis bien? La vie là est simple. Lot, à cause de Lot, Dieu n'a plus parlé à Abraham. Parce que Lot ne se figure pas dans le plan de Dieu pour Abraham. Lot disait un jour, parce que les troupeaux de Lot sont beaucoup, de ceux d'Abraham sont beaucoup, ils ne commencent pas à se bagarrer. Abraham dit qu'on se sépare. Choisis où tu veux. Lot a choisi. Abraham a choisi. Et la Bible déclare qu'au moment donc, Lot s'est séparé d'Abraham. C'est de là maintenant. Alléluia. C'est de là maintenant que Dieu est venu parler à Abraham. Lisez bien dans le livre de la Genèse. Je veux que vous lisez la Bible. Je ne veux pas vous donner la verset. Lisez la Bible. Vous allez voir. Connaîtrez un peu la Bible. Je ne veux pas vous donner les versets. Lisez la Bible, tout simplement. Mais à partir de la Genèse. Donc, au moment dont Dieu a vu que Lot est séparé, Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu est descendu maintenant pour rebénir Abraham, pour lui promettre maintenant encore le paradis. Terrestre et spirituel. Il y a des gens dans ta vie qui sont des vermines d'échecs. Depuis que tu es devenu copine avec telle personne, c'est de là que toutes choses ne commencent pas à gâter dans ta vie. Depuis que tu as couché avec cette femme, tu as couché avec cet homme, tu as couché avec telle fille, c'est de là que toutes choses ont bouleversé dans ta vie. Tu n'as jamais réfléchi pourquoi les choses se sont bloquées comme ça. Il y a des gens, normalement, si vous avez des projets, vous ne devez pas parler même pas à votre femme, à vos femmes, directement de ce projet-là. Je crois que beaucoup de nos mamans vont dire, eh bien, Dieu, qu'est-ce que tu dis là? Oui, parce qu'il y a des femmes, leurs esprits parfois ne sont pas clairs avec leur mari. Ainsi aussi, des hommes, que leurs esprits ne sont pas clairs avec leur femme. Quand leur femme dit, oh chérie, tiens, j'ai ci, j'ai ça, l'homme ne commence pas à faire de la jalousie. Jusqu'à même, il veut même anéantir la femme. Le monde fait peur. Sépare-toi de tes comportements. Sépare-toi de l'ami. Donc, parfois, quand tu as projet, tu lui parles. Fais l'examen de conscience. Combien de fois tu as eu de l'échec? Quand tu as eu des projets, tu as parlé à telle personne. Combien de fois tu as eu des échecs? Il faut réfléchir à ça, moins. Tu as eu des échecs
à plusieurs reprises, à mille manières, tu as eu des échecs. Tu vois un peu? Tu as eu des échecs. Alors, qu'est-ce que tu dis alors? Dieu te dit, sépare-toi avec tel ami. À qui tu fais confiance? Sépare-toi d'eux. Ce sont des gens qui te créent toujours des ennuis. Ce sont des gens qui bloquent ton avenir. La personne avec qui tu étais, à cause de lui, les projets ne marchent pas. Il faut bien réfléchir. Depuis que tu as rencontré ce monsieur, tu as rencontré cette femme, comment les choses sont? Il y a des femmes que vous allez rencontrer. Il y a des hommes que vous allez rencontrer. Il y a des femmes que vous allez rencontrer. C'est-à-dire, point d'interrogation, rien que des amertes. Parce que son étoile n'est pas bonne avec ton étoile. C'est pourquoi, comme dit la Bible, nous avons besoin des voyants aussi dans l'église pour comprendre nos sorts, avec qui nous allons sortir. Si vous êtes déjà ensemble, il n'y a plus le choix. Mais vous n'êtes pas encore ensemble, posez la question à Dieu. Certains amis parfois font des échecs de notre avenir. Berger Raphaël, votre frère le Guinois. Je vous souhaite une bonne journée et que la grandeur de Dieu soit sur vous. La paix dans le cœur. Je salue tous mes amis dans le monde entier. Je ne veux pas citer un pays pour blesser quelqu'un. Je salue tous mes amis dans le monde entier. Abonnez-vous. Si vous avez des produits, vous avez des choses, des questions, écoutez bien d'abord ma vidéo d'abord avant de me poser des questions. Mais pour les pentacles, pour les consacrer, vous avez un prix à payer. Si vous n'êtes pas d'accord, s'il vous plaît, ne me contactez pas. Faites-le tout simplement. Ça marchera. Mais les pentacles que vous avez tracés au sol, ça n'a pas besoin que vous me contactez. Ça, c'est pour sauver les vies. Le moment viendra où je vous répondrai par rapport à certaines questions. Si vous avez des questions, posez-moi dans mon WhatsApp. Je vous répondrai. Je ne réponds pas aux commentaires, s'il vous plaît. Soyez bénis. 00229 le 95 26 41 46. Berger Raphaël, le Béninois. Shalom.